Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue à une nouvelle édition d'ERKAI. Avec moi, d'ERKAI, là, un professeur de l'université, c'est professeur Luné Walk Pierre-Louis, que vous connaissez, soutien aux jouets, Zago. Prétexte passage dans d'ERKAI, là, c'est Ouvrage Sahara, qui paraît chez l'Armatan. La Constitution haïtienne de 1987 est-elle un produit importé? Et c'est sur le folklorisme médiatique. Professeur Mekontangéon, bonjour, bonne année, Koumoui. Bonjour et bonne année. Nous saluons et nous saluons également tous les téléspectateurs. Et Chanel 20 yo. Donc, année a commencé, nous commençons avec une émission, nous allons réfléchir ensemble. Mon bien content, Guéon, c'est un essai, j'en dis là, sur le folklorisme médiatique. Je suis à votre école, professeur, pour l'expliquer, mais ça vous l'a dit. Et moi, j'ai quelques éléments, m'a évoqué avec vous là, et des critiques, et m'a dit, assez appuyées ou faites par rapport à la presse, par rapport aux médias globalement. Et une position on prend par rapport à la Constitution pour dire, par exemple, que déclarer que la Constitution est source d'instabilité politique, voire la déclarer chrysogène, n'est que pur préjugé. Et Gonzo Clot ou ben, la presse, sans retourner sous lit, globalement, on dit il y a aliénation, on évoque la presse, parce que, d'une part, les citoyens, désormais réduits à de simples individus, se laissent emporter par la manipulation résultant du projet double. Emporté par la manipulation résultant du double jeu ambigu et conjugué des protagonismes du média populisme, c'est-à-dire des politiciens populistes et les acteurs médiatiques qui, dans le meilleur des cas, ne défendent que des intérêts à soi contingents, mais sous le masque des intérêts de la communauté politique. Pas aux politiciens et journalistes, ou dit les médias, on tout, mettez tout dans le même panier avec les affaires, pas eux. C'est tough. Ou sont intellectuels, ou qui doivent penser, ou qui doivent critiquer, nous allons rentrer avec vous dans tout ça. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous a inspiré ce projet, ce livre, La Constitution haïtienne de 1987, vous posez des questions, hein? Est-ce que son produit est importé? Réponse. Mais justement, et d'abord, le titre du livre, et plus le sous-titre, en disent, les deux éléments en disent beaucoup. Mm-hmm. Et premièrement, l'idée justement de mener cette recherche, c'est de voir de tout ce qu'on dit à propos de la Constitution, qu'en est-il vraiment? Mais ce qui m'a vraiment animé à entamer cette recherche, c'est de voir parfois les mêmes acteurs qui disent deux choses totalement contradictoires. Un, c'est une Constitution sans précédent dans l'histoire d'Haïti. Deux, c'est un produit importé qu'un étranger, que le blanc aurait imposé. Bon. Tandis que je n'ai pas vu de congruence dans deux discours, ça, je me dis, mais tu m'as regardé moi-même, comme chercheur, qui ça baille. Et ça t'a effectivement animé recherche là, dans le premier regard, et maintenant, les m'entrer dans le travail en profondeur, mais rencontrer justement, c'est le danger de. On sait des acteurs politiques et qui, autrement dit, ils sont en politique, mais ils ont plus cherché à infiltrer l'espace médiatique là pour qu'ils un discours selon les circonstances et ça crée un part de confusion chez les citoyens lambda et chez même des citoyens un peu intermédiaires. Et ça crée jusqu'à ce que, et au moment où nous parlons, c'est presque consommé. C'est parce qu'admis qu'Haïti fait face à un problème de constitution. Mais pourtant, une constitution, qu'est-ce qu'elle est? Une constitution, on peut même définir une constitution comme un projet. Et si on prend le sens allemand, Entwurf, ou le sens latin, Projektum, eh bien, la constitution elle-même, autrement dit, elle ne peut pas agir. Elle fixe les repères d'action, mais il faut des hommes, il faut des femmes. Il faut des citoyens pour agir. Mais si l'on n'agit pas, on n'applique même pas la Constitution, on prétend que chaque fois qu'il y a crise, c'est la Constitution elle-même qui est chrysogène, mais c'est vraiment un préjugé. C'est vraiment un préjugé. Et ce préjugé, c'est d'abord ce préjugé même que je formule sur le thème du folklorisme. Le folklorisme médiatique, justement, voilà le concept. Le folklorisme, c'est comme si mais les acteurs, c'est pas. Non, mais avant voilà. D'aller dans le folklorisme médiatique, quel est votre regard sur la Constitution? Est-ce qu'elle est effectivement, pour vous citer, chrysogène?
eh bien, il va sans dire que la Constitution n'est pas chrysogène. La Constitution, autrement dit, on peut, les crises animent les sociétés, on peut toujours avoir des crises. Mais ce n'est pas la Constitution elle-même qui serait, comme aujourd'hui, de nos jours, on l'entend, serait source de crise. Or, parfois, les mêmes acteurs qui disent que la Constitution n'est pas bonne, elle est ci, elle est ça, mais en fait, le fait même de pouvoir parler librement, c'est en vertu de cette même Constitution. Ce n'est pas le biais des dispositions de cette même Constitution qu'ils prennent la parole. Une Constitution, vous venez de l'évoquer, professeur, c'est un projet de société, c'est une organisation de l'État, de la société, de l'économie, des institutions. Une Constitution, c'est aussi l'émanation de la société pendant un moment, une période de l'histoire. Elle est appelée à évoluer, à subir des amendements. Par exemple, la Constitution américaine de 1776 a été amendée à plusieurs reprises. Sur le fond, vous êtes contre quoi? Contre les critiques de la Constitution? Contre le fait que des experts comme vous, comme Mme Maniga, comme Le Moine Bonneau, que vous avez évoqué dans votre livre, comme Claude Moïse, aient statué sur le fait que dans son organisation, dans le système politique mis en place après 1987, que nous avons une Constitution qui porte en elle-même des germes de l'instabilité politique ou organisée de manière à être chrysogène? Moi, ma position est claire après, premièrement, l'analyse de la Constitution en tant que telle, et comme l'étude comparative avec toutes les constitutions, les 21 constitutions que Haïti a expérimentées à travers son histoire, je veux dire avant la Constitution de 1987. Et la conclusion est simple, c'est que la Constitution, certainement, adopter une Constitution veut dire, dans un contexte donné, à un moment historique de l'histoire d'une formation sociale, d'une communauté politique, on adopte une constitution. Mm-hmm. Ça peut arriver qu'à un autre moment, on doit maintenant retourner sur cette... Parce que comme il faut commencer à appliquer la constitution pour voir qu'est-ce qui ne marche pas, on peut se rendre compte qu'il y a des aspects qui ne marchent pas. Font un retour sur eux. Mais ça n'a pas fait pour autant que la Constitution n'est pas bon. C'est comme si toute instabilité gagnait. Non, je veux dire, position monde qui dit que l'autre collègue ou bien l'autre chercheur ou bien acteur politique qui dit que la Constitution est une source d'instabilité, à l'âme, justement, moi-même, totalement en désaccord. Les élections pour renouveler les sénateurs chaque 2 ans, économiquement, ça a un poids et cela alimente une tension politique. C'est des thèses qui ont été développées par des politologues et des constitutionnalistes. Que valent pour vous ces arguments? Eh bien, commençons par peut-être l'élément, et je dirais, historique. Quand on prend la Constitution de 1987, aujourd'hui nous avons son amendé, justement, qui dispose du renouvellement du tiers du Sénat tous les 2 ans, c'était une disposition empruntée de la Constitution de 1843. Ce qui veut dire quand même que ce n'est pas une création de la Constitution de 1987. Cependant, ceci n'empêche pas cela. Ça pourrait être bien un héritage, c'est ça l'argument. Mais on devrait se dire, est-ce que Haïti, dans tel contexte donné, est en mesure d'appliquer maintenant les dispositions de la Constitution? Professeur. Ce qui veut dire que, au moment de l'amendement de 2011, on devrait se dire, mais voilà une disposition qui n'a jamais été appliquée. Mais là encore, je vais finir pour vous donner la parole, pour montrer que c'est même pas renouvellement partiel là qui pose le problème. Ce n'est pas le plus gros problème, pourtant. Les vies nous sont déstabilisées parce que bon bagage qui était pour faire, tout pas fait. C'est justement, je vous dis, si nous avons analysé des substances, mais ce n'est pas une analyse comparative avec l'autre constitution, mais l'origine des dispositions constitutionnelles, des articles ou des dispositions dans les articles, nous avons montré que, par exemple, c'est. Vous êtes supposé qu'un conseil électoral permanent, un cours suprême électoral, qui a occupé des élections. Autrement dit, ce n'est pas à chaque moment où vous pouvez songer à. Même si vous avez gagné une élection que vous faites. Et puis automatiquement, ou l'homme met mon élection, c'est toi qui commence à brûler. Est-ce qu'elle a pas fait? Est-ce qu'elle n'a pas fait? À qui président l'a fait? À qui gouvernement l'a fait? Sur le conseil électoral permanent, chaque constitution a pourtant prévu là. Le problème, ça a été résolu. Parce que, qu'on le veuille ou non, je dis à l'homme d'attendre
sur radio matin hein, ou bien sur, dans la presse depuis hier. Yo dou gon date pour faire déclaration définitive d'impôt. Ou gon le te prend assurance machine ou li fini, ou al fait automatiquement. Élection tout ap capable automatique. Mais malheureusement quand on pas gen CEP permanent, li vinn pas ka automatique, li vinn créer instabilité mais constitution en fait. Il pas source d'instabilité. Instabilité faut chercher dans les acteurs politiques qui pas appliquer on ces dispositions que tu dois appliquer à un moment donné. Et comme justement j'aime le dire dans d'autres ouvrages que j'ai écrits comme thèse, occulter un problème, ce n'est pas le résoudre. Pour vous, c'est un problème d'homme, pour vous, c'est un problème d'homme, d'acteur politique, c'est un problème d'acteur citoyenneté. Politique. Oui, justement, c'est un problème de citoyenneté. À la base, c'est un problème d'acteur politique qui n'a pas implémenté, qui n'a pas concrétisé ce projet des dispositions constitutionnelles qui fait qu'il n'est capable de arriver là. Par exemple, amendement dit pour qu'on constitutionnel et mais combien de fois conseil constitutionnel combien de fois parole ça a parlé je pas parler année passée de tentative vous permanent toujours pas gagné elle autrement dit constitution les mal c'est prend ça propre à disposition par et ça lui même lien pointé sur une forme ou sur l'autre dans l'autre constitution me dit que constitution il qu'a mérité amendement pour tel ou tel point mais il pas en constitution aussi pas bon. C'est là, oui, en juge. Nous sommes d'accord pour l'amender. Nous sommes d'accord, par exemple, nous avons dit, bon, on fonce l'élection. C'est clair que la constitution de 1987, en termes de. Il était déjà amendé, déjà. Il était déjà réamendé. Il y a beaucoup d'acquis. Le principe même d'une loi et d'une constitution, c'est de subir des amendements. Sur ce point-là, pas de discussion, on a vu l'expérience haïtienne et d'autres sociétés l'ont fait. Mais pour qu'ils soient amendés, est-ce qu'ils sont produits importés? Est-ce que cela aurait posé un problème si la constitution de 1987 est un produit importé? Mais la question, bon, même si là, j'ajoute dans l'autre vérité, et la même question, c'était même plus longue. En quoi, de manière plus substantielle, la constitution haïtienne de 1987 est-elle un produit importé? Bon, parfois, alors, on a produit, il y a un éditeur et tout, ça m'a entendu au titre trop long. On a dit qu'on morceau. Mais là, vous avez travaillé là-dessus, et est-ce que vous pouvez étayer ça? Mais oui, oui, je vais l'argumenter. C'est-à-dire que, question, c'est parce que c'est un argument acteur ça les folkloristes au plus répété son démocratie blanc imposé son déclarement l'autre là bas où son constitution là où t'es copié en côté il pas propre à où il pas sorti dans la res haïtiana tout le monde dit c'est comme si Mnalou il pas cadré à histoire pays c'est sa question à poser et pourtant justement réponse dans le livre là. Il est tout acteur, tout lecteur qui a lu le livre, il n'y a pas une réponse là. Eh bien, c'est simple. La réponse, effectivement, la constitution haïtienne de 1987 n'est pas un produit importé. C'est une constitution, au contraire, d'ailleurs, peut-être, vous avez arrivé sur question, vous avez posé une question, ça a même tout frontière avance sous lui. Qu'en 1987, si vous apprenez l'histoire d'Haïti, de l'Haïti indépendante, en 1987, je dirais même qu'a dit en la constitution de 1843 qui pas non plus jamais appliqué en tout simplement amendé au vœu de la conjoncture de 1987 en tout dit pas adopter une constitution comme si tout neuf. OK. Maintenant là la critique est claire vous dénoncez donc il pas en produit importé voilà, c'est ça clair. Il pas en produit importé vous soulignez qu'il est inspiré le 21 constitution de Guinée et dans l'ouvrage vous avez souligné que nous avons simplement interchangé pour une constitution de 1843 qui, en termes d'acquis et de protection des droits fondamentaux, gagne des avancées qui étaient faites et très importantes. Absolument que 1843 est une période assez révolutionnaire et qui était consacrée à un ensemble de droits sociaux par rapport à temps, qui était très avant-gardiste. Il y a, j'aime dire tout à l'heure, là, vous êtes inspiré de travaux réalisés par Claude Moïse, de Manbono et particulièrement Mirland Baniga dans ce travail. Maintenant, vous taclez les hommes, vous taclez le déficit de citoyenneté. Vous dites que la Constitution, c'est un projet, c'est une orientation, c'est à nous autres d'appliquer le projet que nous baillons tête, nous. Pas ça clair. Maintenant, vous dénoncez aussi le folklorisme. Le folklorisme médiatique et vous montrez clairement, et c'est là, c'est un monde qui est dans la presse, qui a carrément pris ombrage par rapport à et positionnement ça, où dit, professeur, par rapport au folklorisme et médiatique, ou dit, m'a cité, il a peur que le folklorisme médiatique participe de l'aliénation médiatique parce qu'il induit
un conformisme et une apathie qui prétend remplacer l'engagement et l'agir du citoyen devenu étranger à lui-même. Ou à poursuivre pour dire, il y a aliénation parce que, d'une part, les citoyens, désormais réduits à de simples individus, se laissent emporter par la manipulation résultant du double jeu ambigu et conjugué des protagonismes du média populisme, c'est-à-dire des politiciens populistes, et les acteurs, on va dire des acteurs, et les, vous mettez tout le monde dans le panier, y compris votre ami et serviteur qui trouve un peu le plaisir par là-bas, les acteurs médiatiques qui, dans le meilleur des cas, ne défendent que des intérêts à soi contingents, mais sous le masque des intérêts de la communauté politique. C'est comme si tu as tout le temps et tu sais Rizez, Napko le Brezo avec Rizio Rizez, Napko le Brezo avec politique pour nous défendre l'intérêt, pas nous. C'est comme ça, où est la presse là, je dis à vous. Moi, je suis bien content de venir sur le point ça, qui est très important sur la définition même, ou bien sur la substance même de folklorisme médiatique là. Et c'est l'essai. Oui, oui, ouais. C'est l'essai. Mais en fait, il y a un aspect là, moi je dis, et moi, j'ai dit justement là, font une petite confusion. Dis-moi, dis-moi. Qui pose un problème. Allez-y, dans quel niveau? Le prédicat, la diff médiatique et la presse. Vous pouvez remarquer, ce n'est pas la presse. Vu que la presse, au nom même de la République, dans un cadre démocratique, c'est l'espace ouvert, mais on va accueillir maintenant, on va accueillir tout acteur. On va accueillir tout acteur. Mais attention, comme média, comme médiateur, dans l'accueil, c'est un travail qu'on n'a pas fait. Ni pour les politiciens, ni pour les citoyens. Ce qu'on n'a pas fait, c'est que faut que les politiciens lui-même apportent un projet de société. Il faut que les citoyens soient prêts pour le tirer, pour le faire l'extraction du bonhomme granum exisania. Il faut qu'on tire le bon grain de livret. Bon, automatiquement, citoyen plus quoi que désormais, l'étendance de monde qui parle dans la presse, qui dit yon révolutionnaire, c'est yon démocrate, c'est yon anti-corruption, c'est yon qui si, c'est yon qui ça, il n'y a pas effort de compréhension encore. Et l'irrité justement marché, chaque fois qu'il y a une élection, marché de un monde qui connaît qu'il y a gagné, et bien c'est là qu'il vient poser problème. C'est comme si les citoyens se démissionnent de sa fonction de citoyen pour devenir juste des individus qui marchent derrière des gens. Donc, le folklorisme médiatique, c'est le folklorisme, c'est l'attitude folklorique qu'un ensemble d'acteurs de la société civile et de la politique, mais qui parle la presse lui-même. Parce que la presse, c'est l'espace médium. Donc, c'est là pour que. Parce que l'on dit, toujours prendre médiatique, chaque fois qu'il y a un média lui-même, chaque fois qu'il y a un média, il est relié à un prédicat. C'est les acteurs médiatiques. Les acteurs médiatiques, c'est ces gens, par exemple. Comment on définit les acteurs médiatiques? L'acteur médiatique veut dire des acteurs de la société civile et des acteurs de la politique. Okay. Qui, concrètement, je vais prendre un exemple, c'est beaucoup plus crucial. Allez-y. C'est le cas, par exemple, des gens dits de droits de l'homme, des organismes de droits de l'homme. Mais les organismes de droits de l'homme ne défendent pas réellement. C'est-à-dire que on peut toujours se poser la question, comme la question s'était posée depuis toujours. C'est le droit de quels hommes et de quelles femmes. Ok. Ça veut dire que. Mais dans l'acteur médiatique, il n'y a pas moi, il n'y a pas les médias, non? Non. C'est-à-dire, c'est vrai que les médias servent de support. C'est vrai, il y a un agenda peut-être médiatique dans des contextes. Mais ce n'est pas les médias en tant que tels. C'est d'abord un ensemble d'acteurs, le droit de l'homme, l'autre monde, société civile, monde politique, qui croient que. Faire conférence de presse, ou bien marcher, relayer dans la radio-télévision, ou bien marcher, occuper espace médiatique là, suffit pour transformer un pays. Okay. Et deuxièmement, je veux nous servir de l'autre, parce que si il y a un vendeur, il faut un acheteur, citoyen, il quoi dans ça? Mais l'autre dit aliénation. Eh bien, il y a une aliénation. Parce que citoyen, il y a que, écoute une série de grosses têtes dans la société civile là, qui dit c'est eux-mêmes qui démocratie, c'est eux-mêmes qui espace public. C'est au droit de l'homme, c'est au droit des citoyens, c'est au droit de la femme. Est-ce qu'on n'a pas accès? C'est au démocratie. Professeur, vous n'avez pas accès à l'espace médiatique là? Mais j'ai un aspect à lui. Mais sauf que,
ça vous saisit, vous ne pas penser que non gay. Non. C'est l'âme d'où. Non, mais j'adore la critique. De, pour, moi, j'aime la critique média, mais c'est comprendre, c'est comprendre. Oui, c'est ça fait m'dou. Je profite de mes vidéos. Mais il y a même vidéo. C'est parce que la critique est utile pour nous comprendre. Oui. Mais ces critiques-là, et on différentes analyses de lui, il faut exposer la vôtre. Mais voilà pourquoi. Il faut me faire pour écouter les spectateurs et les spectatrices sur Channel 22. Comprendre bien la question. Différence entre l'espace médiatique et la presse. Lorsque la presse agit in acto exercito, elle agit en tant que presse. Mais maintenant, quand, si je suis citoyen, je crois que n'importe tout ce qui est dit par un acteur quelconque, de la société civile ou de la politique, quel que se présente son parti, c'est comme si son parti incarne la démocratie, toute forme de lutte, de transformation, eh bien, du moment où les citoyens commencent à croire, c'est vrai, eh bien, il y a un problème. Mais c'est exactement ce problème qui fait que même la Constitution n'est pas appliquée. Et aujourd'hui, c'est comme gagner que la Constitution, si la Haïti serait même sale, avec autant de poussière, professeur, ce serait cette Constitution. Moi, je comprends tes oies par rapport à la Constitution. La Constitution, c'est un projet, c'est un outil que la société va être li, qui peut être amélioré. C'est un ouvrage, pardonnez-moi, c'est une œuvre perfectible. Vous comprenez ça? Et vous comprenez tout exigence que vous faites dans le livre-là pour que vous pensez critique qui émerge, pour qu'il y ait de la qualité dans le débat public, pour que nous sortions de ce que certains pourraient appeler une espèce de suivisme vers le vide, parce que vous vide de propositions et certains mondes se disent. Mais le paysage médiatique en question, ou gagner accès à CLI, ou mener des batailles en tant que professeur à l'université, ou intervenu dans la presse, ou bien conférence de presse. Et là, vous faites un travail de chercheur, ou posez vos regards sur la société, sur la Constitution, sur les acteurs médiatiques, pour me citer. Mais vous participez dans cet espace. Vous créez du contenu. Où est le problème? Eh bien, justement, mais c'est là. Alors, j'aime la question. Parce que comme je commence déjà à le dire, ce n'est pas là le problème. Okay. Le problème, c'est que l'espace est ouvert. Le politicien qui croit qu'il suffit de parler, de prendre position, supposition, ou d'occuper l'espace médiatique du lundi au dimanche, ou bien à travers les conférences de presse, ou en personne, suffirait pour changer le pays. Le problème, ce n'est pas le problème, parce que l'espace est ouvert. Je peux venir, je peux rentrer, ils peuvent rentrer. Le problème, c'est parce que ils devraient, même s'ils devraient justement se servir de l'espace médiatique pour faire passer un projet, mais il faudrait le projet. Ok, donc. Mais de notre contenu. Sortir du populisme, des solutions faciles. Mais voilà, le média populisme, voilà, il faut comprendre maintenant le concept peut-être, le folklorisme médiatique à travers le média populisme. Le média populisme, c'est de dire que on laisse croire qu'on défend les droits des plus pauvres, des plus faibles. Je m'adresse pratiquement aux organismes des droits de l'homme. Mais en général, on s'est rendu compte, attention, évitez d'avoir n'importe quel problème. Les organismes ne vont pas vous défendre. Parce que les organismes, justement, prennent des dossiers qui ont déjà une certaine aura médiatique ou qui sont susceptibles d'avoir une visibilité. Mais si vous êtes vraiment victime comme simple citoyen, ce n'est pas évident. Mais c'est-à-dire, quand les gens occupent l'espace pour laisser croire que voilà, ils sont toujours prêts à défendre soit les droits, soit la démocratie, soit la justice, soit l'état des droits, et pourtant, c'est juste parler pour parler en occupant l'espace, ça va causer justement, ça va imprimer sur le tissu social le média-populisme. Okay. Les citoyens finissent par croire que c'est vrai. Il n'y a pas de fatalité par rapport à ce contenu que vous estimez. Mais il n'y a pas de fatalité. Ça n'a pas toujours été ainsi. Quittez-moi, Médo. Universitaire, universitaire qui a gardé qui semble avoir et d'autres. Pourquoi n'investissent-ils pas l'espace public ou même on fait travail ou de chercheur ou produit en thèse qui est contestable, qui est contesté, qui est attaquable, qui n'a pas admiré, qui n'a pas critiqué, qui n'a pas dit c'est un travail. Le travail ne vous appartient plus. Mon fait, vous apportez du contenu dans le débat public. Qu'est-ce qui empêche aux académiques de faire comme vous, d'investir l'espace,
de porter proposition, d'incarner autre chose, de sortir du populisme en bien. Ça qu'empêche ça? Et... Ah, mais ça qu'empêche ça. Non, mais je disais que c'était mais cependant, faire de la recherche, surtout en Haïti, faire de la recherche tout court n'est pas une activité facile. Ça demande du temps, ça demande des nuits sans sommeil. Déjà, lire, c'est déjà un travail difficile. Lire, comprendre, écrire. Par exemple, même pour faire un travail sur la Constitution, ça veut dire quoi? Lire la Constitution de 1987 d'un côté, mais lire 21 constitutions avec parfois les amendements. On prend la Constitution de 1879, il y a 5 amendements en 2 ans. Il faut aussi les versions amendées. Mais au moment de maintenant de faire le travail, ce n'est pas seulement lire, non, c'est retenir aussi. Parce que automatiquement, tu vois telle disposition des constitutions, tu dois voir avec quelle autre disposition. Quelle autre disposition. On connaît la difficulté. Oui, effectivement. Mon doctorat en information et communication fait Belgique, ou c'est professeur en fâche, pardonnez-moi, acte université de l'État, ou c'est chercheur et fondamental libre. Pardon. Ou bien 5 autres livres écrits, dont mythologie positive et cancérisation épistémologique. Ou agriculture des impostures méthodologiques, oralité et récits médiatiques, les dédales du personnage du Valais dans les méandres et du Kéros, Habermas et Haïti, pour les gomènes à la sémantique politique, ou réussi produit. Maintenant, étudiants, ils prennent libre, professeurs, ils prennent libre, ils critiquent où, etc. Mais il y a un effort de production. Mais est-ce que c'est la presse qui doit chercher, être plus curieux, être moins paresseuse, je vous accorde ça, ou bien est-ce que nous-mêmes tout, nous avons pour nous dire, nous là, d'autant plus qu'on voit qu'il y a beaucoup d'autres médiums. Il n'y a pas que les médias entre guillemets traditionnels. Il y a les réseaux sociaux, il y a YouTube TV, il y a la possibilité d'avoir un blog, de se broadcaster, de proposer du contenu pour changer le débat public là, professeur. Est-ce que vous pensez par rapport à ça? Oui, mais on va me révéler la question parce que quand tu penses pas explicité. Pour le public, c'est le folklorisme médiatique. Il n'y a pas une réflexion de toute façon du premier niveau sur la presse. Autrement dit, la critique adressée dans cet ouvrage ne s'adresse pas à la presse, mais s'adresse aux acteurs, un, de la politique, deux, de la société civile. Okay. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginez que l'on soit un leader politique, on a un parti. Le parti a beaucoup plus à proposer de manière substantielle sur le terrain, auprès des citoyens, avec les citoyens, que seulement peut-être de faire des conférences de presse et dire que c'est la Constitution qui n'est pas bonne. Ok, aidez-moi à comprendre ça. Faire voir, faire entendre, faire croire et faire rêver sont des marqueurs symptomatiques du jeu des médias. Véritable demi-urne générateur de chimères. Aussi, le présent ouvrage scrute-t-il le folklorisme médiatique à travers la déchéance et le mal-être que véhiculent les indigénistes haïtiens à l'encontre de la Constitution de 1987, amendée par le jeu du double préjugé où cette Constitution serait importée, etc. Vous dites le jeu des médias, véritable demi-urne générateur de chimères. Expliquez. Mais, générateur de. Les demi-urne, c'est créateur dans le sens. De la mythologie, mais le sens aussi critique, eh bien, c'est le fait quoi qu'aujourd'hui... Non, mais je ne vois pas la média, je ne vois pas la veille. Combien d'individus... Non, qu'elle est avec politiciens et tout. Oui, mais je ne vois pas la média, je ne vois pas la veille. Parce que là, j'ai l'impression que... Non, média lui-même, de toute façon, comme support, les CAF permettent tout, faut quoi que ça paye. C'est aussi ça, oui. Ça veut dire que aujourd'hui, il y a des gens qui sont en prison. Ok. Mais, ils ont joué un filière, un interstice, ils ont rentré. Et par le biais de l'espace médiatique, ils ont fait quoi que, mais ça y est. Ils ont au-dessus de la mêlée. Alors que, question simple. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont détenus au poste. Ils ont révoqué, ou bien ils ne sont pas renouvelés, ou bien ils sont en poste électif, ils ne sont pas réélus. Ou bien le gouvernement changer, automatiquement, il vient de montrer qu'elle a toutes les vertus du monde. Mais il fait mon quoi dans ça, et il joue effectivement des citoyens quoi. Donc, ou bon, ça. Ou bon, exigence critique par rapport à la presse. Le nom en presque arrivé. Oui, mais ça me le dit pas là. Mais tu me dis quand même s'il est presque arrivé. C'est de dire que, pourtant, s'il était infiltré en réalité, il était prêt à la fonte de mon en direct.
pour te faire quoi ça yo, yo pas tape quoi facilement. Vous comprenez. Maintenant les rendez-vous. Eh bien, mais les rendez-vous. Alors, tout d'abord, pour son livre qui paraît à Paris chez Lamartin, au contraire, Lamartin m'a dit que l'auteur a pris une contribution, qu'il y a acheté et quelques exemplaires de livres, dont 50, ou il y a toujours pris, mais parce qu'il prend le risque. Ce n'est pas un livre qui publie à compte d'auteur, c'est à compte d'éditeur. L'éditeur prend tous les risques, mais très souvent également, où sont haïtiens qui ont publié à Paris, donc où risque de publier pour un public qui n'est pas public pour là. Donc, c'est comme si. C'est vrai, il faut un mal, il faut acheter, mais il n'est pas totalement mal parce que quand on a un ça fait comme ça peut être moins, ou un bon exemple dans mes mains, ou un dans mes mains, ou l'autre monde qui a un autre exemple dans mes mains. Ce qui veut dire que j'ai quelques exemples de livres et qui ne vendent pas à proximité si je contacte, mais je suis venu avec tout stock gagnant pour le vendredi, le 18 janvier. Faculté des sciences humaines de 13h à 15h. Okay. Tout le monde qui a besoin d'espace là, qui peut le contacter personnellement. Parce qu'il m'a déjà fait une conférence, déjà présentation du livre là, je suis venu. Et il est capable de passer, acheter, signer, etc. Combien comme? Et 2500 gouttes. Okay. Sauf que étudiant a payé, et il a un grand rabais, étudiant a payé 2100 gouttes. Merci. Un pile, professeur Luné, Wok, Zago, et comme ça, et sinon, je vais te faire. Merci à vous, professeur Kimbe. La bonne année encore une fois. Mais merci beaucoup et Robinson. Donc et nous sommes contents pour nous être là avec vous. Merci en pile. C'est là de mettre un bout de l'édition de Kaïsa Kimbe là par la guerre.